Ça, c'est Marc. Là, il est chez moi, mais il se croit chez lui. C'est ce qui s'appelle un raseur. En ce moment, il drague ma copine, mais je n'ai pas assez d'énergie pour lui faire comprendre que c'est immoral. Mon pronostic est qu'ils coucheront ensemble. Ça, c'est Julien. Il compose de la musique techno. Alain est comédien. Son emblème indique qu'il a des problèmes de foi. Mon pronostic est qu'il va craquer, peut-être dans les jours qui viennent. Annie a 23 ans. Elle est comédienne et légèrement névrosée. Dans son cas, le mot « légèrement » est peut-être un peu trop léger. Abdel n'aime pas qu'on le prenne pour un arabe. Quand il se présente, il dit qu'il s'appelle Jean. Comédien lui aussi. Sophie, 27 ans, sociologue. Elle suit une psychanalyse en ce moment. Levava canivete no cinto e pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Ça, c'est mon chat. Entre tous, c'est lui que je préfère. Je suppose qu'il a des qualités que mes amis n'ont pas. Voilà, j'ai des tas d'amis. Nous fréquentons le même club de kung-fu pour un télo, où nous nous retrouvons le mardi et le jeudi soir, de 18 à 20. La violence nous effraie tout en nous intéressant fort, car nous pensons qu'elle est apte, si elle est bien canalisée, à dynamiser notre sexualité et notre agressivité créatrice. Sans être vraiment des amis, nous partageons une certaine inaptitude au bonheur et le fait de nous ennuyer régulièrement ensemble. Quant à moi, je ne me présente pas. Mais je pense que mes amis me reconnaîtront.